Ouais, c'est quoi ce putain de truc? Y'a les rôdeurs, réveille-toi! Réveille-toi! Oh putain! Mais réveille-toi, bordel de merde, tu vois pas qu'il y a des explosions là? Oh putain! On se fait envahir, on se fait envahir! On se fait envahir! Oh non, putain, y'en a partout! Y'en a partout! Vite! Allez, on se casse, vite, vite, vite! Je pense que là, on va devoir repartir dans notre ancien camp, là. Allez, c'est parti, on y va. Putain, hey, limite là, on a fait, allez, 7 heures de marche, là. J'en peux plus. Attends, je crois qu'il y a un genre de truc, là-haut, il y a un truc. Ah, il y a peut-être de la nourriture, parce que on est à sec, là. On n'a plus rien. Il y a des barbelés dessus là. Fais gaffe. Ok. Ahmed. Attends, quoi? J'appelle. Oui. Ahmed. Dis-moi où est les bananes. Go. Dis-moi où est les bananes. Vite, faut trouver un truc. La clé. Allez, go. Oh, il y a une clé ici. Allez, cuve de méthylamine. C'est quoi là? Hop, 100 km. Agilité parfaite, vitesse bonne, intelligence nulle. À 13. Ah ouais, à 13 euros ça? Oh putain. S'il vous plaît. Oui, oui. Monsieur, on va essayer de vous libérer. Attendez, je vais prendre la clé. J'arrive tout de suite vous sauver, monsieur. Oh putain. Bon, on va faire la technique des arabes, comme on dit. Les arabes, on les fume tous, comme on dit. Oh, oh putain. C'est incassable. Toute ma force. Allez. Putain. C'est... Allez. Ouais, vas-y. Allez, je te laisse casser le dernier barreau, vas-y. Ok. C'est bon. Allez, monsieur, venez. Est-ce que vous avez une autre maison que cette caravane là? Parce que là, il y a de la méthylamine et de la meth. Allez, monsieur, est-ce que vous avez. Oui, mais est-ce que vous connaissez un camp pas loin, s'il vous plaît? J'aimerais bien découvrir ça. Un camp, quand j'étais encore dans le chaos et qu'il m'a laissé un peu promener dans le chaos, j'ai vu ça là-bas, vous voyez? Ouais, il y a une antenne paralique là, je sais pas comment on dit ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas été. Hop, chat. On vient, je vous la mayonne. Par contre, vous moquez pas de mon action. Je suis vraiment désolé, monsieur, mille pardons pour ça, mais. Je vous vois, un peu plus de beauté, j'ai des accents. J'arrive, attention, ça va péter. Ouais, c'est quoi ça? Non, monsieur, on... Ah, oui. Ouais, il a disparu ou quoi, là? Bah, attendez. Ça peut s'ouvrir, oui. Ah, il y a une clé sous le paillasson. Venez, c'est là. C'est la clé. Merci, monsieur. Merci infiniment. Mais notre ami, il est où? Ah, il est là, c'est bon. Oui, il y avait un... J'ai dû faire quelque chose. Ok. T'inquiète. Waouh. Ouais, et c'est pas, y'a son nez tout ça! Ouais, y'a un cheval! Non, coup, attendez, on monte! Parce que j'ai tout en haut là! Oui! Y'a! Fais gaffe! Ok, va doucement! Ouais, je peux comprendre! J'ai un bambou avec moi et un naouk! Non! Excusez-nous, monsieur! C'est vraiment ou si. Ah, il y a des têtes. Oh putain. Oh, il y a des crânes partout. Il y a des crânes de mort partout. Vaut mieux pas rester si longtemps, hein. On va monter. Oh, oh mon dieu. Ah, ça pue.
Allez, venez. Allez, venez, on rentre, on rentre. Oula. C'est un peu spécial ici. Oh, il y a des rôdeurs partout. Allez-y, tapez-les. Ah! Oh mon dieu, il y en a partout. Ils sont partout. Tapez. Oh mon dieu. Il y en a partout. Je pense qu'on va devoir fuir. Par ici là. Par ici. Venez maintenant, venez. Vous êtes où? Bon, allez-y. Allez, c'est bon. Tu peux passer. Oh, il y a quelqu'un? On est personne. Mais vous êtes qui vous? Vous êtes. Oh, calmez-vous. Écoutez ce qu'il a dit. Nous sommes venus chercher de la nourriture et puis un endroit où dormir. C'est quoi, m'appartient? Tout c'est là que vous voyez là, le cadavre et tout, c'était des pires. Ah bah si vous voulez pas nous laisser entrer, on va devoir passer par le sang. Ah non, en fait, on va pas que vous accueillir de façon amicale. Oh putain. Mais je vous garde un œil quoi, parce que voilà quoi, je suis pas comme les autres. Oui mais regardez les muscles qu'il a là. J'ai jamais vu une personne aussi musclée de ma vie. Ouais, ça fait longtemps. C'est vrai que vous êtes le world biceps. Merci. Je sais, mais en moi j'ai beaucoup de monde. Attendez, dis-moi pas que c'est vous qui a buté tout le monde là. C'est pas vous qui avez fait ça. C'était des gens en train de parler, quoi, si je peux dire ça. Attendez, si vous avez rencontré ces gens, oh mon dieu. Vous tuer, hein, sans aucune raison. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, l'Africain? Qu'est-ce que tu fais, l'Africain là? Bah, dans mon pays, on mangeait des fous. C'est qui ce monsieur? Attends, ah, on a oublié de te demander, tu t'appelles comment l'Africain? Oui, il a pas d'argent, l'Africain. Tu t'appelles Baba ou? Oui, Baba ou. Ah, il s'appelle Baba ou? Baba ou. Enchanté, Baba ou. Là, on garde un œil sur vous trois, parce que vous m'avez l'air un peu suspect. Moi, déjà, je veux savoir quel est vos prénoms, vous deux. Enchanté. Enchanté. Oui. Moi je m'appelle Mathias Herschold. Sinon vous comment t'appelles-tu? Géant Valentine. D'accord. J'ai des choses un peu où j'étais tous ces gens. Je vous garantis tous ces gens-là que j'ai tués, ils sont revenus là pour piller les villes et même vous piller vous-même. Du coup c'est pour ça que je les ai tués par précaution. D'accord. C'est vraiment des gens mal aimés. Voilà. Et monsieur, vous appelez comment? Et moi c'est Victor Solo. Solo, enchanté. C'est monsieur Géant Valentine. Un soldat du Vietnam, vous pouvez aussi m'appeler sergent. Ah, enchanté, vous avez un beau palmarès, sergent. Merci. Je suis très étonné de votre part. Soyez bienvenus, ouais. C'était mon camp, mais si vous êtes quelqu'un aimable, respectueux, je suis pas un dictateur, hein, honnêtement. Oui. Si vous êtes quelqu'un, on a vécu des choses horribles. Ouais, si tu veux, c'est parce que là, on est en train un peu de crever de faim, donc. Allez. Les babaou. Et des bananes aussi. Monsieur l'Africain, par contre, monsieur Baba, il peut manger. Ah, putain. Eh ben, soyez les bienvenus, hein. Mais merci. Oui, bon, mon bras, je me suis fait déchiqueter pour des choses horribles. Je vous raconterai ça plus tard. Parce que c'est vraiment horrible. Et puis, si la ville est aussi catastrophique maintenant, c'est à cause de... Bon. Donc, je disais que Marc Psino, c'est l'homme le plus terrible. Oh, putain, mais je vous dis pas une puissance, monsieur. On a fait 7 heures de route. Enfin, là, ça fait 8. Et puis là, on est épuisé. Il faudrait qu'on se repose. J'ai une question.
Oui. En gros, le mec, il ressemblait à un mec bizarre. Il était très cruel. Il avait. Hein? Désolé, c'est le banane. Il y avait un mec qui était dans le cas où il me transportait. Il a dit à Jarman de tuer Mathias Herschold. Je sais pas c'est qui, Mathias Herschold. C'est moi. Et du coup, ah, du coup, c'est Marco Sip, 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 Sip